C'est au tour du conseil municipal de Mahina d'accueillir le président du pays et son gouvernement dans ses locaux. Une première pour le maire. Lui et ses conseillers municipaux ont profité de l'occasion pour échanger sur des sujets d'intérêt commun, comme l'installation d'un Fareora, un guichet unique pour toutes les démarches administratives qui concernent la commune, le pays, voire d'autres opérateurs. La ville s'est engagée à le mettre en œuvre. Autre sujet de discussion, l'élargissement de la RT2 pour une troisième voie. Damas Tewira répond à Ar Ihuetif Afanaï Jérôme. Je n'ai jamais assisté à un conseil des ministres délocalisé en tout cas. Et ça s'est passé, bon dans le fond, on a beaucoup échangé, on a regardé des thématiques communes avec eux sur des projets de développement communal, sur différents sujets. Et je suis très satisfait du retour d'expérience que j'ai eu en présence de l'ensemble des ministres. L'information, on continue sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.